1600 accueille la deuxième étape de la Grande Odyssée, Savoie-Mont-Blanc. Dans quelques instants, sous l'arche, les 27 attelages Open, Limited, mais également Trophée Flexana vont s'élancer sur cette piste, considérée très alpine pour cette nouvelle étape. La motoneige, accessoire essentiel pour les plus belles images, celles que vous admirez jour après jour. Allez, on y va, mon Fifi! Heureux, on va profiter des conditions de neige et on va essayer que tout le monde revienne en bonne santé. Hier c'était une étape moyenne, donc du coup là aujourd'hui c'est un peu plus dans mes capacités. On va essayer de rattraper un petit peu ce qu'on a perdu hier. Aujourd'hui, étape assez courte, mais avec beaucoup de dénivelé, surtout des pourcentages assez raides par moment où on est obligé de courir derrière le traîneau, donc c'est assez éprouvant quand même. Les champs étaient super, ils ont vraiment bien bossé en montée, et après ils ont réussi à garder du rythme dans les parties roulantes, donc c'était super. C'est ce que j'appellerais une manche fair play, beaucoup de difficultés dans la descente. J'ai aidé un attelage, après un autre m'a aidé. Une belle manche de fair play avec Grégory et Tommy Serre. Une belle manche, mais difficile. Les 27 attelages se sont élancés sur un parcours de 23 km avec un dénivelé positif de 1200 mètres. Une étape très alpine. En catégorie open, c'est le français Rémi Coste qui emporte à nouveau l'étape, toujours sérieusement talonné par sa rivale, l'allemande Sylvia Ulrich. En catégorie limited, la française Cindy Duport mène toujours, mais deux autres français, Christian Perlwitz d'abord et Marion Joly non loin derrière lui, restent de sérieux adversaires. Du côté du trophée, Aurélie Delattre monte à nouveau sur la première marche du podium. À ce stade, rien n'est joué et on se retrouve demain pour une nouvelle étape au G.